Bonjour à tous, permettez-moi pour commencer cette vidéo de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2023 à vous ainsi qu'à vos proches. Je vous souhaite d'ores et déjà une année 2023 fabuleuse. Certains d'entre vous auront pu le voir passer sur Facebook, 2023 va être une année de grands changements pour Luna Nera. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais d'abord vous remercier, vous qui avez été présents, vous qui avez été, qui êtes venus nous voir en boutique, qui avez répondu présent à l'appel de plus en plus nombreux chaque semaine et qui avez fait de Luna Nera un véritable succès. Eh bien, à vous tous, je tiens à dire merci, merci pour cette année 2022 complètement folle que vous m'avez fait vivre. Pour ceux qui connaissent un petit peu la boutique depuis le début, nous avons doublé notre superficie de vente et nous avons multiplié par 10 l'offre en termes de lithothérapie et nous avons ouvert de nombreux départements qui n'étaient pas là au début. Alors, Luna Nera, au départ, c'est une idée un peu dingue qui est née il y a 2 ans en pleine pandémie, d'ouvrir cette petite boutique, de vous proposer également des formations, des petits modules de soirée à thème. C'est d'abord aussi une activité complémentaire qui a pris une ampleur assez dingue, comme je l'ai dit juste avant, et qui maintenant grignote mon temps libre, mes soirées, mais également l'entièreté de mes congés et beaucoup d'autres choses également en plus. Alors, aujourd'hui, je souhaite un peu me reconnecter à moi, mais également retrouver l'idée originelle qui a vu naître Luna Nera. C'est pourquoi il y aura de nombreuses modifications dont nous allons énumérer ensemble les différents principes. Alors, le premier. Alors certains d'entre vous l'auront peut-être déjà compris, pour d'autres c'est une surprise, mais nous fermerons les portes de la boutique physique dès le 1er mars 2023. Vous avez donc durant tout le mois de janvier les soldes, durant lesquels nous proposons de très belles réductions, entre autres 15% sur toute la lithothérapie et même largement au-delà sur certaines pièces, même largement au-delà aussi sur d'autres produits d'autres départements. Donc, c'est le moment de vous faire plaisir, c'est le moment d'en profiter, que ce soit sur le webshop comme comme en boutique physique, je vais dire. Le webshop, lui, continue à fonctionner de la même manière. Vous pouvez passer commande, venir chercher en click and collect ou demander l'envoi par Mondial Relais ou par la poste. Pour les personnes qui auraient un bon cadeau, pas de panique. Vos bons cadeaux restent tout à fait valables, même au-delà du mois de février. Et si l'article que vous souhaitiez n'est plus disponible, eh bien, dans la mesure du possible, nous ferons en sorte de vous satisfaire. Voilà. Nous n'excluons pas non plus la possibilité de faire de temps en temps des portes ouvertes. Ce n'est actuellement en tout cas pas à l'ordre du jour pour le moment. Je vous propose de suivre la page Facebook parce qu'elle continue à vivre et vous aurez toutes les informations au fur et à mesure. Tout comme, je tiens à le préciser parce que je sais que vous êtes nombreux à le suivre, les tirages du dimanche qui se poursuivent et voilà, voilà, ça continue de faire vivre la page également. Alors, nous parlions donc de modification des départements. Certains vont fermer, d'autres se voient modifiés. Nous fermons entre autres la partie Feng Shui et huile essentielle. Ces départements dont se verront. Nous continuons les ventes des produits, mais nous ne renouvellerons pas l'offre ni le stock. Deuxième partie, c'est la partie bijouterie lithothérapie. Donc, tout ce qui est boucle d'oreille, bague et pendentif ne seront pas non plus renouvelés. En ce qui concerne les pierres roulées, pierres brutes et bracelets, notre offre sera réduite à des pierres de base, des pierres qui sont, oui, qui sont vraiment les fondements de la lithothérapie. Et j'ai envie de dire, exit tout ce qui est un peu New Age. Et ce qui est juste tendance actuelle. Nous continuons par contre tout ce qui est oracle, tarot, livre, parfumerie ésotérique, encens, bol tibétain, puisqu'ils rentrent dans une catégorie de purification, entre autres, dont nous allons parler dans quelques instants. Ces départements-là vont se poursuivre.
Alors, le troisième point que je souhaite aborder, c'est le point déformation. Donc, Lunanera au départ souhaitait proposer des formations. Ça a été le cas la première année. Malheureusement, eh bien, la boutique a demandé tellement de temps et d'investissement que je n'ai pas pu poursuivre ce projet et je souhaite réellement le remettre sur pied. Alors, les formations vont reprendre dès le mois de mars avec une formation sur le pendule, sur le nettoyage et la purification des corps, mais également sur les lieux. Et là, on va démonter quelques idées reçues. On en a déjà parlé un petit peu sur Facebook il y a quelques semaines, entre autres de la sauge blanche, mais on va vraiment entrer dans les détails. Alors, il y aura d'autres propositions qui seront faites au fur et à mesure des semaines, des mois qui passent. Il y aura un calendrier qui sera publié à la fois sur Facebook comme sur le webshop. Les tarifs seront également proposés sur les deux réseaux. Et puis, ça vous permettra comme ça d'être tenu au courant de l'évolution. Nous organiserons également des soirées à thème durant lesquelles nous parlerons, pardon, d'un sujet pendant plus ou moins 1 heure, 1 heure 30, tout va dépendre un petit peu des sujets, et durant lesquelles vous pourrez poser vos questions sans tabou. Nous essaierons d'y répondre. Alors, quand je dis nous, certaines soirées seront organisées exclusivement par moi, entre autres sur les purifications, bien qu'il ne soit pas exclu que j'invite des collègues à ce niveau-là, mais certaines soirées thématiques auront besoin de personnes spécialisées. Alors, vous aurez la proposition telle que les chakras, la réflexologie, la sophrologie, l'hypnose, quoi d'autre encore? Tout ça sera donné en fait par des personnes extérieures. Personnellement, je vais plus travailler sur tout ce dont on parle généralement quand vous venez en boutique. Donc les purifications, la gestion de la pensée, le mindfulness, la magie naturelle, les huiles, les lotions, les encens, comment les utiliser, quand, comment. Les protections, comment on les place, combien de temps ça dure. Bref, je ne vais pas tout vous dévoiler ici. On va en garder un petit peu pour les semaines qui viennent. Dernier point que je souhaitais aborder, ce sont les rendez-vous privés ou les consultations durant lesquelles je vous reçois ici dans un espace qui sera complètement modifié pour que nous puissions avoir un échange interpersonnel, privatif donc. Ce seront des bilans en présentiel, puisque jusqu'à présent, lorsque je faisais des bilans énergétiques, tout se passait toujours à distanciel. Je vous propose dorénavant une nouvelle formule, la faire ensemble et que vous puissiez poser toutes vos questions à ce moment-là. La version sera un peu différente. Nous commencerons d'office par un premier tour au pendule pour voir un petit peu les énergies parasites, comment vous aider, comment vous en débarrasser, comment retirer ce que vous ne voulez plus dans vos vies, mais également comment amener ce que vous souhaitez voir manifester dans votre quotidien. Et nous évoluerons en fonction de vos besoins sur le moment même, puisqu'il s'agit d'un accompagnement, de type ésotérique, je tiens bien à le préciser, en aucun cas psychologique ou médical. Pareil, les tarifs seront publiés dans les prochaines semaines sur la page Facebook et sur le site internet. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Elles seront distribuées au fur et à mesure des semaines, comme je l'ai dit, mais vous pouvez d'ores et déjà me contacter pour plus d'informations. Alors, j'ai bien conscience qu'il s'agit là d'un virage à 360 degrés. Mais qui me tient à cœur pour retrouver du temps pour moi, pour ma famille également, pour pouvoir retrouver mes propres énergies, mais surtout pour remettre au cœur de mes priorités l'humain. Et c'était un peu ça l'idée de départ, c'était vraiment d'être là pour vous et de vous aider, de vous accompagner, de vous permettre d'apprendre des choses via les formations, de pouvoir les utiliser par vous-même. Je trouve que c'est important de partager ce que moi j'ai eu la chance d'apprendre et de découvrir au fil des dernières années passées.
Je comprends et conçois tout à fait que ces nouvelles vont surprendre certains d'entre vous, mais je sais également que vous pouvez me comprendre et comprendre le chemin et le besoin que j'ai, qui a été mûrement réfléchi, parce que je tiens vraiment à le signaler. C'est vraiment une réflexion qui a eu lieu sur plusieurs mois. Nombreuses discussions également qui ont permis de revenir à l'essentiel pour moi et à quelque chose de totalement positif. Alors j'espère que vous le vivrez de manière aussi positive que moi. Je vous remercie encore une fois d'avoir été au rendez-vous, d'avoir fait de Luna Nera le succès qu'il est actuellement. Je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité et de votre enthousiasme. Pour tout ça, un grand merci encore une fois. On se retrouve très bientôt sur la page Facebook, également sur les autres réseaux sociaux, à savoir YouTube, TikTok ou Instagram. Et je n'ai aucun doute sur le fait que nous échangerons encore à travers ce réseau ou quand nous nous rencontrerons en faisant nos courses. Voilà, je vous souhaite en tout cas une merveilleuse année à toutes et à tous. Et je vous dis merci pour tout. Au revoir.